S'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai l'impression que cette tablette est un peu... Enfin, je la trouve plutôt... Non, enfin... Plutôt comment? Je sais pas. Merdique, vous voyez. Je vois. Parce que j'aurais préféré, enfin, si c'est possible, parce que c'est très important, j'ai un rendez-vous très important, donc je... Très bien, monsieur, comme vous voudrez. Non, 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 mais... Je vous préviens tout de suite, c'est non. Non? Comment non? Oh bah, si vous m'avez invité à déjeuner, c'est que vous avez quelque chose à me vendre. C'est juste une idée comme ça, hein. Je vais vous dire, des types comme vous, on devrait les boucler, les foutre sur un bateau et les pousser au large. Bonjour. Bonjour. Dit-on vous a collé la plus mauvaise table? Bon. Bah enfin, dans un coin, personne ne vous voit, on voit personne. Justement, on est plus tranquille. Mon vieux, au prix du repas, si personne ne sait que vous êtes venu, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air. On va se mettre là-bas. Venez. Vous m'avez cueilli au vol, j'allais partir, hein. Ah bon? 4 jours à la montagne. Je passe les fêtes de Nouvel An là-bas. Vous skiez, vous? Oh oui, bien sûr. Enfin, un peu. Oui, merci. Oui. Non, merci, Maurice. Régime, un demi pamplemousse et une salade verte sans assaisonnement. Et pour monsieur, pigeon à la goutte de sang, c'est leur grande spécialité. Bien, monsieur Morel. Voilà. Vous savez combien ça m'a coûté, vos dernières fantaisies? Arrêt du chantier, démontage des bidules, plainte des riverains, procès avec la ville. C'est venu trop tôt, on avait 5 ans d'avance. Remarquez, ça vaudrait le coup de reprendre l'idée. C'est marrant parce que dès que je vous écoute, j'ai l'impression de perdre de l'argent. Bon, venons-en au fait. Vous êtes entrepreneur. Quel est votre principal problème? Les architectes, les artistes, les gens comme vous, les empêcheurs de bâtir en rond et les écologistes. Justement, j'ai là-dedans de quoi faire taire les écologistes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un joujou? Non, un chantier en centre-ville. Ce qui coûte dans votre métier, c'est les crédits. Hein? Oui, la durée des travaux, oui, ça je sais, merci. Attendez, attendez... Et voilà. Et voilà quoi? Plus de bruit, plus de nuisance. À l'intérieur, on travaille sans interruption, de jour comme de nuit. À l'extérieur, agrément... Repos, loisirs. Dites, pourquoi vous venez toujours me chercher quand vous avez des projets tordus? Pourquoi vous n'allez pas voir la concurrence? Vous devez aimer les femmes, vous, hein? Je me trompe? Vous êtes un homme qui aime les femmes. Et vous devez leur plaire. C'est enfin, non, disons dans la moyenne, quoi. Donc, pour me résumer, le principe de montage de la structure gonflable est très simple. Une surpression et on infiltre tout autour de la zone une assise de béton, c'est tout. Dites donc, j'ai une idée qui me vient tout d'un coup. Ah oui? Puisque vous aimez le ski, si vous veniez me rejoindre au jet, on discuterait de votre projet là-bas. Enfin, discuter là-bas et... Je vous ferai payer, bien entendu. Allez, 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 acceptez, ça me fait plaisir. Puis pour une fois, ça n'a pas l'air trop dingue, votre histoire. On doit pouvoir rafler des subventions dans tous les ministères avec ce truc-là. C'est d'accord? Si vous pensez que... Mais voyons! Allez, dites oui, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Bon, bah c'est d'accord. Bon, pas de temps. Et pendant que vous y êtes... Vous pouvez peut-être me rendre un petit service. J'ai rencontré dernièrement une fille formidable, très belle, une universitaire, une tête vraiment. Elle s'appelle Agnès et j'en suis dingue, c'est vrai. Attention, j'adore ma femme, ça n'a rien à voir. Eh bien, évidemment. Seulement Agnès est seule à Paris pour les fêtes et je lui ai promis de l'emmener. Mais vis-à-vis de ma femme, c'est un petit peu gênant. Évidemment, évidemment. Vous le comprenez bien. Alors, si en venant, vous acceptiez de la faire passer pour votre petite amie, par exemple, je crois que ça pourrait très bien s'arranger.
Ça vous dérange pas? Bon, mais elle est d'accord? Bah, évidemment, évidemment, elle est d'accord. Oh, bon, vous pouvez pas me refuser ça. Je vous ai toujours soutenu, Bertin. Vous pouvez pas dire le contraire. Je sais, mais enfin, c'est quand même un peu particulier. Particulier quoi? Je vois pas ce que ça a de particulièrement particulier. Bon, vous me laissez quand même un petit moment pour réfléchir. Bah, voyons, bien sûr. Enfin, pas trop, quand même. Votre train est à 6 heures. Voici votre billet, la réservation couchette, un bon de wagon-restaurant, de l'argent de poche et un vêtement de sport d'hiver. Voilà. J'ai pris comme pour vous. Vous rejoindrez Agnès directement au train. Destination de Dijon, Aix-les-Bains, Annecy, La Roche-sur-Foron, Cluses et Saint-Gervais-en-Fayet. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Bertin, enchanté. Je sais que la situation est un peu embarrassante, mais enfin, je suis certain qu'avec un petit peu d'humour, de tact et de bonne volonté... Ne vous en faites pas, ce n'est pas la première fois. Ah bon? Bah alors, ça va simplifier les choses. Bon, ben, moi, je propose qu'on mette tout de suite au point un petit scénario, non? Scénario? Bah oui, que ça fasse vrai, soigner un peu les détails. Et... Non, mais vous livrez souvent à ce genre de... De quoi? Bah, avec Martin. Martin? Vous êtes bien Agnès. Moi? Non. Ah bah alors, pardon. Excusez-moi. C'est pas Agnès, c'est pas... Agnès! 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 Chut! Parle! Il y en a qui dort! Je me demande ce qui t'obligeait à te lever aux aurores comme ça pour venir chercher ces deux oiseaux. Comme si je pouvais pas me débrouiller tout seul. Enfin, Martin, des invités, c'est plus correct. Des invités, c'est déjà bien assez d'avoir à se décoltiner. Tu vas voir le type. Alors, il est lourd, je te préviens. Il est très, très lourd. Quant à sa poule, je crains le pire. Bah, je me demande pourquoi tu leur as dit de venir, alors. Faut que je t'explique encore une fois? Faut que je recommence? Non. Et puis, fais pas cette tête. Après tout, tu auras peut-être une bonne surprise. Bon, ça m'étonnerait, il a une réputation épouvantable. Ah, oui, je t'ai pas dit. Sa femme est jeune. C'est pour moi que tu dis ça? Très jeune. Eh bien, tant mieux pour lui, mieux ça que le contraire. Non, mais très, très jeune. Faut pas prévoir un landau, non? Plaisante, c'est bien le moment. Numéro 2, en arrière, s'il vous plaît. Quai numéro 2, en arrière, s'il vous plaît, attention. Et si on installait les enfants dans la pièce du bas, ça libérerait une chambre du haut? Et alors? Eh ben comme ça, au lieu de les mettre à l'hôtel, on pourrait les loger au chalet. Ah, ça jamais! Ce type et cette fille à la maison? Avec les gosses? Ah non, 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 ah non! Sa femme. Attends-moi là. Où est-elle? Je sais pas, elle n'est pas là. Comment elle n'est pas là? Comment? Elle est dans le compartiment à garde des bagages. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Où est-ce qu'elle est passée? Je sais pas, elle n'était pas dans le train. Ah, c'est impossible. Qu'est-ce que vous êtes encore allé manigancer, vous, hein? Moi, je suis fatigué, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, alors si ça va pas, je rentre à Paris. Oui, bon, ce serait trop facile. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, mais... Mais elle est là! Où? Ben là, c'est elle! C'est une gamine. Allez, allez, passez-lui les bagages. Hey. Retirez-vous un peu, là. Allez, on y va.
Béatrice, ma femme. Guillaume, Agnès, sa femme. Bonjour. Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous devez en avoir marre. Non, pas du tout, je suis en pleine forme. Ma femme, c'était pas prévu, ça. Mais mon vieux, ça fait plus sérieux. C'est plus crédible. Mais quel âge elle a? Allez, jouez le jeu. Drôle de type, lui. Ah, ben, ça, je te l'avais dit. Mais elle, elle est rudement mignonne. Oui. Oh, oui. C'est beau, c'est super. Vous aimez skier? J'adore ça. Et votre mari? Mon mari? Oh, faut lui demander. Vous savez, avec lui, on sait jamais sur quel pied danser. Il a l'air vraiment fatigué. Allez, debout, paresseux. Mais si je fais pas mes 9 heures, hein. Bon, je vais voir s'ils sont bien installés. Et je redescends. Ouais, je viens avec toi. Mais, surtout pas. Ah bon? Ah oh, ben alors, ça te tourne. Reposez-vous bien. À tout à l'heure au chalet. Mais par exemple, c'est que ça doit être extrêmement. Vous pouvez les gens en retirer. Sur l'eau, c'est dans le texte. Ah, oui. Désolé, c'est complet. Oui, vous avez entendu. Pardon. Chambre 520, cinquième étage. Et dis donc, où t'étais passé cette nuit dans le train? Ce pauvre Bertin, tu l'as complètement paniqué. Ben dis donc, celui-là, tu l'as bien choisi. Puis d'abord, ça devait pas être mon mari. Non, mais ça fait plus crédible. Merci bien. De quoi j'ai l'air avec un type pareil? Mais t'as tort de dire ça. Un artiste. Un garçon très fin. Oh, pardon. Vous avez vu, il n'y a pas de clé aux portes, on rentre comme on veut. Alors là, c'est la meilleure. Ah, bah oui, mais ça, c'est la formule club. Hein. On entre, on sort, tout le monde est copain, ça, c'est comme ça maintenant. Moi, je vais pouvoir fermer. Mais. Moi aussi, figure-toi. Oui, non, je te demande pardon. Votre chambre, c'est en face. Voilà. Ah ben, vous n'espériez tout de même pas dormir avec Agnès, non? Si je pensais entre mari et femme... Je suis désolé, c'est un mariage blanc. Oui. Ça, c'est tout ce qui leur restait, hein. Et encore, c'est parce que j'ai dit que j'attendais quelqu'un d'autre, parce que, vous pensez, deux chambres pour un seul couple. Ils n'avaient pas plus petit. Mais où es-tu? Je me faisais un sang d'encre. À Montagne? Pourquoi c'est le moment de prendre des vacances? Mais c'est pour le boulot, ça n'a rien à voir avec des vacances. Bon, laisse-moi t'expliquer. Oui, je voulais vous dire, pour le fric, soyez large, hein. Si quelque chose lui fait plaisir, vous n'hésitez pas. Et quand vous êtes assez, que vous me demandez. Et quand est-ce qu'on se met au travail? Non, on a le temps, on verra ça plus tard, hein. Hey. Elle est formidable, non? Un peu âgé pour moi. Salaud. Allô, Picard. Bon, je te disais. Quoi, Lucier? Lequel? Le requin. Celui qui parle du nez. Il a laissé un papier rose. Mais on s'en fout du papier rose. Laisse tomber. Ça y est, cette fois, on tient le bon bout. Crois-moi. Super, c'est grotesque, oui. Hein? Écoutez, alors là, on peut tout dire, hein? Beau, intéressant, admirable, exaltant. Alors là, s'il y a vraiment un mot que je déteste, c'est celui-là. Super. Oh, bah, si vous le prenez comme ça, je ne vous parlerai plus. Au moins, j'aurai la paix. Eh ben voilà, ça, voilà une bonne idée, on ne se parle plus. D'ailleurs, ça fera beaucoup plus vrai, parce que dans la majorité des couples, les gens ne se parlent pas. Super. C'est super, hein?
ça? Une femme, Benoît, tu peux pas comprendre. Peut-être. En compagnie d'un garçon qui a l'air bien sympathique. Je préfère la petite, moi. On vous a préparé des skis. Ah non, pas question, dis donc. Il faut qu'on travaille. Déjà? Eh ben alors. Agnès. Mais Agnès, elle va pas se lancer sur les pistes comme ça. Tu te rends pas compte. Enfin, pas une nuit de train, c'est un coup à se casser une patte. C'est vrai. Dites-lui, vous. Ah ben, oui, c'est vrai, surtout avec la nuit que nous avons passée. Tu sais comme tu es fragile, ma puce. Non, là, vraiment, vraiment, je crois que Martin a raison. Un canard. Ah, nos amis. On fera les présentations plus tard. Allons-y. C'était seulement pour nous, ces vacances. J'espère que tu vas pas les passer à travailler. Surtout avec ce raseur. T'as vu ce type? Il est complètement inconscient. Si j'étais pas intervenu, il laissait sa bonne femme s'embarquer sur les pistes. Tu veux que je reste? Surtout pas. Vraiment, vraiment? On va pas tous se sacrifier. Moi, mon trésor. D'accord. Alors, la main au cul, m'appuie sur mon petit canard, ça va comme ça. Ah ben, faut jouer le jeu, hein. Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. Léger, vous, hein. Très, très léger. Vous, hein. Faudrait le savoir. Ah. Bon, j'y serais bien allé avec eux, j'avais pas envie de rester enfermé. Mais on a tout le temps, rien de presse, on ira skier, tu vas voir, on ira skier. Hein, mon petit cœur. Tu veux pas t'y mettre toi aussi? Bon, et moi, je fais quoi? Vous, reposez-vous, détendez-vous, allez vous promener. Non, non, en fait, restez ici, on risquerait de vous voir. Oui, et mon projet? Un peu de délicatesse tout de même, non? Vous trouvez pas ça bizarre, une fille si jeune avec ce type sinistre? Vous savez, quelquefois, il y a des types comme ça qui ne paient pas de mine dans notre grosse surprise. Oui, grosse comment? Oh, très bête. Moi, la gamine, je la trouve très ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Le modèle courant, quoi. Bah, il y a critiquer tout le monde. Vous êtes tout le temps en train de dire des choses les uns les autres. Vous préviens, je fais deux descentes et je rentre. Le pauvre Martin avait l'air tellement malheureux d'être coincé avec ce type. Contente d'être là? 4 jours à la neige, ça ne se refuse pas. Tiens, mets ça. La musique? T'as vu ce type? Il dort! Il dort, monsieur dort pendant les séances de travail! Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Moi, mais je vais prendre ma douche. Et sa femme? Oui, c'est vrai, où est-ce qu'elle est, celle-là? Elle est pas en bas? Agnès? 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 Agnès! Agnès? Agnès! Il a disparu. Eh ben, réveille-le. Oui? Où est votre femme? Quelle femme? Votre femme, Agnès. Enfin, écoutez. Je sais pas. Non, parce que je dormais. Vous savez, moi, si je fais pas mes 9 heures. Oui, allez, grouillez-vous, il faut la retrouver. Vous voulez une tasse de thé? Je veux bien, si. Parce que je suis transi. C'est le manque de sommeil, ça. Parce que si je fais pas mes.
Oui, dites donc, vous avez intérêt à la retrouver vite, hein, je vous préviens. Vous devez savoir où elle est à tout moment de la journée. C'est votre femme, après tout, non? Mais enfin, elle est avec vous. Oui, et en ce moment, elle est où? Elle est avec moi, peut-être? Voilà. Oui. Venez. Merci beaucoup. Bon, allez, on se dépêche. Mais laisse-le boire, santé tranquillement, voyons. Oui, c'est moi, si je bois trop vite, après je ballonne. Oui, je sais, c'est l'âge. Moi, je perds mes cheveux, pas vous, non? Un petit gâteau? Allons-y, on y va. Oui, bon. Bah, merci, ça va beaucoup mieux. Allez. Le dîner, à 8 heures. Avec votre femme, naturellement. T'as l'intention de rester longtemps comme ça? Ça dépend. Monsieur, vous mettrez ça dans ma chambre. Vous auriez pas vu ma femme? La jeune? Ben oui, il n'y en a pas 36. Ah non. Dites, la petite femme, on aimerait bien la récupérer. On a un monde fou. Il arrive bientôt, votre avis? Quelle chambre qu'elle a? Mais je suis pas au courant, moi. Dans ma chambre. Vous m'espionnez? Ça va pas, non. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans la rue à Bougelet? Je passais, je vous ai vu, et comme justement je vous cherchais... Alors on me surveille? Alors je suis plus libre de rien? Oui, vous m'avez fait un drôle de coup, j'allais à vous tirer sans rien dire. Ça vous regarde peut-être? Et comment? Vous êtes ma femme, j'y peux rien, hein. Quand une femme décide d'aller faire un tour, elle met son mari au courant. Sinon, quand on lui demande où elle est, il a l'air d'un abruti. C'est passionnant ce que vous racontez. Ça, on peut dire qu'on perd pas son temps avec vous. Qui c'est, ce type? Un garçon. Un garçon de mon âge, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, alors là, c'est à Martin qu'il faut dire ça, pas à moi. Martin, il est gentil. Il me fait rire. Ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est pas les scrupules qui vous étouffent, hein. Vous croyez que je vous ai pas repéré avec votre boîte à chaussures? Ma boîte à chaussures? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Si, le projet merdique que vous essayez de refiler à Martin. C'est pour ça que vous êtes là, hein, pour faire de la lèche. Rien d'autre. Alors doucement, hein, en veilleuse. Bon, je vois pas pourquoi je discute. On a rendez-vous au chalet à 8h. Tâchez d'y être pour une fois. J'irai pas. Non, attendez, non, je suis responsable. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'irai pas, j'ai pas envie de me trouver enfermée avec des singes. J'ai envie de bouger, me marrer, je suis jeune, vous comprenez pas? Oui, bon, d'accord, mais enfin, écoutez... Puis d'abord, j'ai rien à me mettre. Ah, c'est ça. Alors venez, vous allez voir, venez par ici, venez. Choisissez. Allez. Vous permettez? Trop cher. Elle lui vidait son compte en banque et il en demandait. Un pull d'Estérel à plus de 2500 balles. Vous auriez vu sa tête, on aurait dit qu'il voulait la mort. Vous faites rire, chacun fait ce qu'il veut de son fric. Mais d'où tu le sors? Je le connais, c'est tout. C'est une relation d'affaires.
Et tout le monde le connaît dans le métier. C'est un fou, un rêveur. Martin a déjà bu un bouillon avec lui et il recommence. C'est avec les dames qu'on finit toujours par gagner de l'argent. Dis-toi bien ça, mon petit bonhomme. Et sa femme, c'est vraiment sa femme? Mais vous me faites marrer, j'en sais rien, moi. Quand on rencontre un type pour la première fois, on va pas lui dire, dites donc votre bonne femme, vous l'avez trouvée où? Bah non, mais on fait avec, mes enfants, c'est tout. Et voilà qui arrive. Oh, qu'elle est jolie. Je suis gelée. Donnez-moi ça. Surtout les mains. Vous n'avez pas de gants? C'est à cause de lui, il a pas voulu m'en acheter. Oh, bon, enfin. Allez, venez, je vais vous présenter tout le monde. Alors, voici Charles. Je crois que vous connaissez déjà. Ah, Bertin, alors, toujours les grands projets, toujours dans les nuages. Toujours, merci. Oui. Anne-Sophie. Bonjour. Benoît. Excusez-moi. Sarah. Ah, que je tiens. Mais ça, qu'est-ce que tu tiens? On aimerait bien ça, moi. Oh, bah, voilà. Faites pas attention, ici, c'est moi qui suis la tête de Turc. Plein de toi. Odile, ma plus vieille copine. Oh, pas si vieille que ça, quand même. Hein. Merci beaucoup. Bonjour. Oh, ravissant ce pull. Un cadeau de mon mari. Vous avez un mari très, très généreux. C'est parce que je suis très, très, très gentille avec lui. Et toc. Et puis, il y a les enfants qui sont couchés et Gigi. Enfin, lui, c'est plus tout à fait un enfant, hein, Gigi. Bon, alors, comment on se met à table? Tu l'as entendu cette fois? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez être fatiguée, je vous propose de dîner maintenant. Ça vous dérange pas si je me lave les cheveux? À l'hôtel, j'en fiche partout. Et puis j'ai pas de séchoir. Mais on allait passer à table, là. Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas faim. Ah bon? Je vais vous montrer. Tiens. Oui, ça va? Bon, bah. Je pars. Je pars. Attends, hein. Alors, j'avais lu un livre sur l'architecture. Ouais. C'est un métier de chien. Non, exaltant peut-être, mais tordu. Parce qu'il y a les chantiers, les projets, les charrettes. Quel boulot. Vous ne devez pas être souvent chez vous. D'où l'avantage de vivre seul. Bah comment est votre femme? Non, mais il veut dire sans enfant. Oui, c'est sans leçon à faire réciter, sans présence affective indispensable, sans... C'est ma femme et moi, nous sommes très... Et en même temps, pas du tout... Mais dites donc, vous pourriez peut-être monter voir ce qu'elle devient. Vous avez raison. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous foutez? On vous attend en bas. Mais je vous la paix, j'ai dit que j'avais pas faim. Ah oui, et toi j'ai l'air, moi. Vous arrêtez de me prendre la tête, hein. Je suis pas votre femme, devant les autres on fait semblant. Ah, écoutez, vous êtes pas ma femme, mais vous passez pour ma femme, hein. Si vous êtes ridicule, je suis ridicule, et si vous faites une connerie, c'est sur moi que ça retombe. Je la comprends, elle a pas envie de se barber, elle est nature. Moi je vous dis que c'est une grue. Oh, elle le mène par le bout du nez. Oh, qu'est-ce que tu en sais, ma pauvre amie? C'est jamais si simple. Ouais, il m'intéresse, ce garçon. Je le sens fragile, secret. Voilà, voilà. Elle arrive, elle enfile son pull. Vous voulez rien manger? Une tranche de viande, un faux plat ou une petite part de gâteau, non? Non, merci. Je vous assure, j'ai pas faim. Bah alors, je vous raccompagne. Oui, non. On serait trois gelés au lieu de deux. Et surtout que dehors, c'est la bourrasque. Il doit faire moins 15. Elle a raison. Tu vas prendre froid pour rien. Et je disais ça comme ça. Et vous partez avec cette petite chaussure-là, vous allez... Ou si, vous ne me direz pas que vous n'étiez pas au courant. Ah, parce que vous croyez qu'elle me fait ses confidences, vous croyez qu'on peut lui parler? Surveillez-la, mon Dieu, elle va nous faire passer. Ah, mais ça, je vous avais prévenu, hein. C'est un jeu de con, on va tous y laisser la peau. À propos, j'ai fini l'enveloppe. Ah, bah tiens. Quoi? Non, rien. Je passerai à la banque demain, je vous donnerai du liquide. Elle vient dîner, elle dîne pas? Est-ce qu'elle n'a pas faim? C'est quand même pas gentil, toutes ces allées et venues par ce froid, hein?
Vous serez mieux ici, avec nous. Ça y est, ça la reprend. Non, je suis venue faire du ski, pas des mondanités. Oui, et comment je vais manger, moi, maintenant? Madame, monsieur, dites pour la chambre. Ouais. Bonsoir. Oh, pardon. Oui, Steven. Une idée? Oh non, hein, quand même. Monsieur Morel m'avait dit, cet ami qui devait arriver et qui n'arrivait pas, on a eu besoin de la chambre. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Mais vous, vous dormez dans votre chambre. Ma chambre? Oui, votre chambre, avec madame. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est une solution. Agnès! Agnès! On s'est peut-être un peu laissé emporter tout à l'heure. Agnès? Non, quoi? Il y en a qui s'embêtent pas. Ils ont de la chance. Si tout ce qu'il faut comprendre ce que pour moi, ça ne tourne plus que pour... Non, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est ça, installez-vous. J'ai plus de chambre. Du monde dans mon lit d'Hollandais. J'ai besoin de dormir, je suis venu ici. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allez, dégagez, j'ai besoin du lit. Oh, mon Dieu. Il est 12, vous avez vu l'heure, non? Vous êtes encore là? Et si je le disais à Martin, hein? Et si je le disais à Martin? Cafeteur, allez, du balai! Vous pouvez me laisser une petite place, quand même. Hein. Je vous toucherai pas, je vous le jure. Manquerait plus que ça. Non, pas question. On dort tête bêche, alors. Pour avoir vos pieds dans la figure? Alors, vous dans les draps, moi sur la couverture. Moi dans le lit, et vous par terre, là-bas, dans le coin. Des années d'efforts et de privations pour en arriver là. Je suis là quand même, hein. Et alors? Ben, ça pourrait me faire de l'effet, je suis un homme comme les autres. Vous me raconterez tout ça demain. Hé, vous avez vu ça? Si ça continue, on court à la catastrophe, hein. Comment 57, tout bloqué? Ça a l'air de vous mettre de bonne humeur, monsieur le maire, non? Mais j'aime bien quand ça bouge. Les tremblements de terre, les inondations, les avalanches, moi ça me... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fout? Bon, alors, vous me dégagez tout jusqu'en bas, hein. Dites, monsieur Morel, je... Hop là, c'est pour moi, ça, merci. Une urgence. Allez, allez. Debout là-dedans. Debout là-dedans. Laisse-moi dormir, mais... Et pourtant, il fait beau, il fait très beau. La madame, elle va se lever parce qu'il fait très, très beau. Et qu'est-ce que vous foutez là, vous? Pardon, dors. Vous avez une chambre pour ça. J'ai occupé. Hé. Hey. Hé, hey, oh! Tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Il y a des Finlandais dans son lit. Des Finlandais? Non, mais vous foutez de ma gueule, tous les deux? Vous allez m'expliquer, oui ou non? Hier soir, le patron a loué ma chambre. En quel honneur? Oui, il pensait que je dormais avec ma femme. Mais vous n'êtes pas marié. Comment, mon femme? Mais Agnès! Ah, Agnès, naturellement.
Eh ben, je vais lui dire deux mots à ce type. En tout cas, vous, avant ce soir, vous aurez une nouvelle chambre. Plus grande. Oui, d'accord, plus grande. Pourquoi avez-vous mis des Polonais dans sa chambre? Vous m'aviez dit une petite chambre pour un ami qui doit arriver. Comme cet ami n'arrivait pas, j'ai pensé que... Mais comment cet ami n'arrivait pas, il est arrivé. Et vous l'avez obligé à coucher par terre. Où? Mais où? Dans la chambre de sa femme. Ah. Alors, que ça ne se reproduise pas, hein. Ce soir, il lui faut une chambre. Monsieur Morel, devrais-je lui céder la mienne? Votre ami aura une chambre ce soir. Ah non, quand même, hein. Bon, c'est réglé. Vous allez avoir une nouvelle chambre. Avec salle de bain? Bah, évidemment. Ça en fait des histoires. Mais pas du tout, pas du tout. Ça, tout marche comme sur des roulettes, c'est pas le moment de se déballonner. Allez, dépêche-toi, mon petit chéri. Allez, va. Va. Touche pas la bête, elle est fragile. Oh, bah écoute. Elle était pas tente. Dépêche-toi, chérie. Parce que je t'emmène faire une randonnée à raquette. Moi, je vous préviens, je sais pas me servir de ce genre d'engin, moi. Oui, ben vous, on s'en fout parce que vous ne venez pas. Très sympa. Non, parce que je vais vous expliquer. Officiellement, on va se balader tous les deux et on emmène Agnès. Promenade hygiénique et de travail. Mais en réalité, je vais me balader avec Agnès et vous restez là. Vous saisissez? Mais moi aussi, j'aime le ski. Moi aussi, j'aime les balades. Je vais mourir étouffé si vous me laissez enfermer toute la journée. Mais mon vieux, mettez-vous à la fenêtre, respirez. L'air est bon partout ici. Et mon projet, c'est encore pour aujourd'hui qu'on va en discuter. Justement. Vous devriez le bûcher un peu, votre projet. Quoi? Parce que je me demande comment vous allez résoudre le problème des masses portantes sur les points d'appui latéraux. Les masses portantes sur les points d'appui latéraux. Allô? Dis donc, Picard, puisque t'es si malin, peux-tu me dire comment tu résous le problème des masses portantes sur les points d'appui latéraux? Les masses portantes sur les points d'appui latéraux. Vous pliez, vous fléchissez, vous écartez. Vous pliez, vous fléchissez, vous écartez. Tiens, je te les rends. Non, 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 c'est pas ça, mais vraiment, refusez de t'acheter des gants. Quel chameau. Un chamois? Vous avez vu un chamois? Non, pas un chamois, j'ai dit chameau. Chameau. Par ici? Non, il fait trop froid. Oui, je crois que c'est pas là. L'embêtant avec ces trucs, c'est qu'on peut pas aller vite. Comment ça? Mais si, c'est sûr. Regardez. Hop, 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 hop. Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Oh, oh. Mais enfin, tu te fous de moi, ça fait 2647 tonnes. Des piliers de 2647 tonnes, tu vois ça comment, toi? Tu sais, à partir d'un certain poids, 1000 tonnes de plus ou de moins, ça ne se remarque même pas. Écoute, alors là, Picard, tu te mets au boulot, hein, et tu me rappelles avant 5 heures pour me donner la solution, sinon t'es viré. T'entends, viré, hein? Oh. C'est pas vrai. 1647 tonnes. J'en ai marre de ces bidules. Hein? Attends. Ça tient très bien, hein? Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est pas difficile du tout. Regardez donc. Hop, 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 Ariane. Oh! Oh! Monsieur Martin Morel, je vous prie, il doit être avec Monsieur Bertin. Ils travaillent, ils ont demandé qu'on ne les dérange pas. Ah, mais moi, je suis une amie, une intime, j'habite dans le même chalet. N'insistez pas, madame. Y a-t-il un message? Ah! Guillaume! Merde! Vite!
je suis Guillaume Bertin. Je suis architecte, s'il vous plaît, et je suis là pour mon travail. Dingue. Une maison, regarde. Oh. Attends. Oh, doucement, doucement. Tiens, dis donc, comme promenade en amoureux, c'est réussi. T'en fais pas, l'important c'est de prendre l'air et de voir la neige. Oui, oh, c'est gentil pour moi. Tu ferais mieux de me réchauffer. Je suis gelée. Je vais t'arranger ça. Bah tiens, je viens de trouver ce qu'il faut. Ah, saloperie de capsule. Ah bah dis donc. Ça suffira pour un massage, mais sans ça... Ouh, c'est froid. Chérie, il faut activer la circulation, hein. Oh là là. Personne n'a voulu de toi. Tu ferais mieux de t'occuper de tes fesses, mon pauvre Benoît. Je te trouve bien à plat-plat en ce moment. Moi, je vis avec mes petites images dans la tête, ça me suffit. D'abord, pour ce que tu penses, je suis trop vieux. Ça me donne des bourdonnements d'oreilles, figure-toi. Ah oui, eh ben c'est comme moi. Ce genre de sport, c'est plus de notre âge. Mon œil. Tu vois, je t'entends pas filer toutes les nuits. La bamboula. On brûle la chandelle par les deux bouts. Tiens, dans la famille Ronron, je voudrais le grand-père. En tout cas, j'ai pas perdu mon temps hier soir. Cet après-midi non plus, d'ailleurs. Je mène ma petite enquête. Agnès et Guillaume, c'est pas tout net. Ah, là, tu as raison. Cette fille un peu naïve, un peu bête, sous des dehors bravaches. Et puis son mari est malheureux et complexé. D'une fleur qui s'étiole, ce garçon. Bon, là, j'ai tous les ronrons. Hein, le père, le fils... Si tu savais ce que je sais, tu dirais pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es passé dans un aspirateur? Ah oui. Bonjour. Monsieur? Mon père? Vous avez eu un accident? Oui, on a eu un accident, oui. Allez, Agnès, faut rentrer parce que maman va s'inquiéter. Bonjour, monsieur. Qui c'est ce type-là? Oh, je sais pas, c'est un type que j'ai rencontré, on s'est dit trois mots. Dis donc, ouais. T'aurais peut-être pu éviter de me présenter comme ton père. Qu'est-ce que je dois dire? Mon fiancé? Mon beau-frère? Bon, allez, on laisse tomber. C'est ça, la chambre. Déshabillez-vous vite. Hein? Votre honorac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, remets-vous. Rien, vous en faites pas, je vous expliquerai. Allez, hop. Oh. Qu'est-ce que vous avez à l'œil, là? Je suis tombé sur une furie. Ah oui, vous êtes sorti. Évidemment. Feriez mieux de travailler au lieu de jouer les jolis cœurs. Restez pas là. Bien, et bien, ce qui sera tard. Mais vous êtes complètement malade. Voilà. Voilà, vous allez être beau comme tout avec ça. Écoutez, moi j'ai été bien gentil, hein. J'ai tout avalé, mais maintenant ça suffit. Regardez dans quoi ils m'ont fourré, un débarras. Et maintenant vous mettez le feu à mes vêtements. Eh ben quoi, vous vouliez une grande chambre, oui ou non? Vous savez, Morel, vous m'avez donné le mauvais rôle. Agnès a un caractère de cochon. Je ne sais pas ce que vous avez raconté à vos amis, mais je vois bien qu'ils m'ont dans le nez. En plus, on ne parle jamais de mon projet. Alors là, c'est fini. Je veux rentrer à Paris. Hein. Voilà, d'accord. Alors, vous enfilez ça et je passe vous reprendre dans 5 minutes. Voilà.
On est assis tranquillement en train de dîner, la salle est bourrée de monde. Tout d'un coup, mes enfants, une explosion, une détonation, une boule de feu, le poêle à mazout venait d'exploser. Mais comment est-ce possible des choses pareilles? Ah, comment, tu me fais marrer. C'est possible, la preuve. Hein, Guillaume? Ah ben oui, c'est parce que là, il y a la panique, alors les cris, les pleurs, les grincements de dents, tout le monde qui se met à courir dans tous les sens. Ah, Et c'est là que Guillaume a eu une idée géniale. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris nos anoraks, il s'est dirigé vers le feu et il a réussi à colmater le foyer. Non, parce que j'ai fait un capitonnage, une sorte de bouchon, et alors, je sais pas, en 30 secondes, tout est terminé, le feu est étouffé et tout le monde s'est remis à table. Mais votre œil, alors, mon pauvre Guillaume? Mon œil, elle est... Ah, mon œil, ça c'est... Non, alors là, c'est ce qu'il y a... Un tuyau qui est tombé d'un coup et paf. Un peu plus, vous perdiez un œil. Un œil et les cheveux, oui. Regardez mes cheveux. Oh, ben ça se voit pas trop, les cheveux. Mais où il est, ton chalet restaurant? Je vois pas du tout. Mais loin, très loin, je te dis. Tu sais, on peut aller très vite avec des raquettes. Hop, 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 ça déménage. Bien, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Grâce à la gentillesse d'Odile et de Benoît qui ont accepté de partager la chambre bleue, nos amis Agnès et Guillaume vont pouvoir coucher au chalet, dans la chambre rose. C'est pas possible. C'est deux petits lits. Eh ben, on les réunira et puis on mettra des grands draps. Bah oui. C'est pas difficile à faire, ça. Alors là, vous pouviez vraiment pas nous faire plus plaisir. Un peu ça. Et on sera tellement mieux qu'à l'hôtel. Et alors, en plus, ce sera tellement plus pratique pour notre travail, hein. N'est-ce pas, Martin? Voilà. Et enfin, qu'est-ce que tu as fait encore, Gigi? Waouh, qu'est-ce que je fais? C'est pour quand, ce déménagement? Ben, je sais pas, quand tu veux, le plus tôt possible. Pourquoi pas maintenant? Ah oui, qu'en penses-tu, ma chérie? Comme tu voudras, mon chéri. Bon, ben, je vais chercher les baguettes. C'est ton œil qui te pique? Ah oui, c'est mon œil, ça pique. Oui, je vais y aller moi-même, parce que c'est justement avec son œil. Vous venez, Agnès, on fait l'aller-retour. Bon, eh ben nous, on va faire les lits. Madame Morel m'a appelé pour me dire que vous rendiez la chambre. Je me suis cru autorisé. Vous venez de faire une gaffe, monsieur Tapu. Mais alors une gaffe. Vous en mordrez les doigts, j'ai honte à vous le dire. Alors, ça vous plaît? C'est formidable. Formidable. C'est pas tant parfait. Mais vous êtes sûr que ça vous dérange pas trop? Pensez-vous, c'est une vieille copine. Et puis avec moi, elle sait bien qu'elle n'a rien à craindre. Hein? Même ce qu'il en est d'ailleurs. Ouais, je suis confus de tout ce chambardement. Hein. Non, pas du tout. Dites, vous savez que vous avez un sosie à l'hôtel? Ah non? Ah si. Seulement, il ne doit pas avoir le même prénom parce qu'il ne répond pas quand on l'appelle. Bah, forcément, un sosie, c'est pas un homonyme. Pourquoi veux-tu qu'il ait le même prénom? Tu débloques complètement, ma vieille. Je refuse de dormir dans ces conditions, hein. Vous me laissez dormir, oui. Passez-moi une couverture, moi, hein. Pour attraper la crève, mais ça va pas, non. Et moi, alors? Fallait refuser de déménager. Oui, sous quel prétexte? Désolé, chère Béatrice, ma femme sort en boîte toutes les nuits. D'ailleurs, nous avons horreur de coucher ensemble. Bon, maintenant, il y en a marre. Vous la bouclez, vous, ou non?
Je vais voir quelque chose. Mais je te dirai pas quoi. C'est malin, il a tout vu. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, qu'on dormait pas ensemble. Oh là là, si ça vous démange tant que ça, venez 5 minutes qu'on en finisse. Pauvre idiote. Pauvre, pauvre idiote. Et merde! Je te trouve tendu en ce moment. Tu travailles trop. Tu devrais te détendre à ton âge, courir un peu, butiner. Allô? Qui ça? Picard! Dites, monsieur Picard, vous avez vu l'heure? Et vous croyez que c'est une heure pour réveiller les gens en vacances? Comment il n'est pas en vacances? Oui, bien, je m'en fiche. Rappelez plus tard. Ah, oh, 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 celui-là. Vous dites qu'il en pince pour son Guillaume. Bon, c'est son associé. Mon pauvre Martin. Il y a beaucoup de choses qui te passent au-dessus de la tête. Ah bon? Oui. Ah, oh, tiens. Oui. Par exemple, Guillaume et Agnès. Ben, si je te disais... Quoi? Ils ne dorment pas ensemble. Ah, c'est ça. Tu trouves ça normal? Avec la peine qu'on s'est donnée pour réunir les lits? Normal, normal. Mais non, mon vieux, non. Mon opinion est faite. Il en est. Il en est. Ah, mais... Ben, tiens. Juge par toi-même. Bonjour. 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 Pardon. Bien dormi? Très bien. Et votre femme? Très, très bien, merci. Pardon. Monsieur Picard a déjà téléphoné pour vous. Bien matinal. Hein? Est-ce que je me suis permis de lui dire? Ça signifie quoi, le coup du plateau? Je joue le jeu. Et hop là. Pardon. Sur le devant. Tu vois, il aime sa femme, il lui porte son petit déjeuner. Il en fait trop. Ça sonne faux. Ben, c'est-à-dire que, vu la situation, j'ai pensé qu'on ferait peut-être mieux d'arrêter de se bouffer le nez. On est parti du mauvais pied, tous les deux. C'était pourri à la base. Ben, c'est complètement pourri. Foiré au possible. Un peu de lait. Oui. Stop. Je vais vous beurre une tartine. Vous êtes marié? Divorcé. Pardon. Elle m'a donné à choisir entre elle et l'architecture. Et vous avez choisi l'architecture? Un boulot de chien. Des projets qui se cassent la gueule régulièrement. On a le dernier, d'ailleurs. C'est grave? Mais plutôt, oui. Ben, on peut peut-être le réparer? Peut-être. Alors, comme ça, vous êtes étudiante? Moi? Pas du tout, pourquoi? Ah non, comme ça, je me disais, c'est une universitaire. Non, non, moi, les études. Non, je travaille. Et quel genre de travail? Dans un bureau. Secrétariat, comptabilité, rien de bien folichon. Enfin, il y a pire. Hein. Dites, pourquoi vous riez jamais? Oh, mais je peux rire. Je peux même être très marrant quand je veux. Alors, faudrait essayer plus souvent.
Faudrait peut-être leur dire de descendre. Oh, mais pourquoi? Laisse-les vivre, ils sont bien, ils se détendent, ils sont heureux. Mais quand on est dans la montagne, c'est pas pour rester enfermé. Ils ont sûrement beaucoup de choses à se raconter. De toute façon, avec ce qui tombe, impossible d'aller sur les pistes. Ce type est là pour travailler, il est pas là pour rester au lit. Je vais me refaire du café, tiens. Tu l'as mordu? Non, il a mal dormi. Personne n'a vu ma blague à tabac? Dis-moi, sa maquette, là, son projet, c'est top ou quoi? Ça vaut de l'or. Ce type est un génie. Tu lui as dit? C'est un génie méconnu. Même lui ignore qu'il est un génie. Il faut le prévenir. Bon, t'es pas fou. Ça lui donnera un tel choc, ça risquerait de le tuer. Dis-moi, Martin, ce type-là, tu peux entendre l'escroquer au moins? Bon. Bon, j'ai réfléchi. Vous pouvez rentrer à Paris. Pardon? Votre mission est terminée. Vous pouvez partir. C'est bien ce que vous vouliez, non? Et Agnès? Elle reste, bien entendu. Vous vous êtes rappelé d'urgence parce qu'il y a un problème sur un chantier. Une grue qui s'est écroulée, patatras. Et nous gardons votre charmante épouse avec nous, bien entendu. Malin. N'est-ce pas? Et alors mon projet? Mais votre projet, on a 100 fois le temps d'en parler. Le train n'est qu'à 23 heures. Il est sacrément gonflé de me faire voyager un jour de réveillon. Vous savez... Dans un train ou ailleurs, de toute façon, le réveillon, c'est une corvée. Oh, je croyais que vous aviez fini. Presque, laissez ouvert, j'étouffe. Qu'est-ce que vous êtes bien foutu? Ah, vous trouvez? Moi, je me trouve moche. Trop de cul, pas de cuisse, ça m'en malade. Oh, bah dis donc, t'es bien difficile. Enfin, vous, c'est vrai qu'on se dit... On peut se dire tu? D'habitude, je tutoie tout le monde. Et là? Là, c'est compliqué. C'est pas pareil. Ah. Tu vois? J'aimerais bien être comme toi. C'est vrai, t'es extra comme Nana. Je parle du physique, mais le reste aussi. Mais alors, le physique. Puis t'as eu des enfants et tout? Mais non, ça, c'est des histoires. Moi, c'est le contraire. Avant d'avoir Paul, j'avais l'air d'un sac. Pas de forme, impossible de m'habiller, une horreur. Oh. Hmm? Dis, tu aurais pas un one prêté pour ce soir? Parce que j'ai un fuseau, mais je ne sais pas quoi mettre dessus. Oui, viens voir. Alors, je peux te proposer celui-ci. Ah, oui, c'est pas mal, ça. C'est un petit cardigan. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Non, ça, ça va pas t'aller. Celui-ci qui est assez joli, tiens. Là-bas, j'ai des chemisiers. Oh, zut, j'en fous partout. Je suis pas trop, j'ai trouvé une annonce à faire. C'est quoi? Une pierce, Bisvaleda. Je la montre. Je viens avec vous. Bitoku, bitoku. Cette fois, j'ai entendu. Elle est malade, ce mec. Il est travaillé, il entend des voix. Eh, faut arrêter de te toucher. Non, mais je rêve ou quoi? Mais fichu, la paix, il est calme, il est tranquille, il lit sa petite bande dessinée. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller là, à ce côté sans parole? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Non, mais, eh, vous n'allez pas vous promener comme ça. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous n'allez pas me le bousiller. Je vais vous en prêter un autre. Bon, alors, vous allez par ici et nous par là, hein? Bah oui, mais... Oui, bon, d'accord, d'accord. Alors, on va par ici et vous par là. Rendez-vous devant le Tyrol, dans 3 quarts d'heure. Le Tyrol, mais le... Tyrol. Allô, l'auberge des Cimes? Je voudrais réserver.
pour ce soir. Votre formule réveillée en tête à tête. Oui, écoutez, je vous rappelle, je vous confirme. Ce soir, je vais faire plein de cadeaux. Un joli truc pour tout le monde. Ce soir, quoi, pour le réveillon? Hein? Ah, tu crois? Bah, t'es pas d'accord? Si, enfin, je sais pas, faut voir. Tu sais, je me rends bien compte que pour toi, tout ça, ça peut pas être très drôle. Mais tu sais, moi, je m'amuse, hein. Je suis contente. Puis tout le monde est super. Oh, Béatrice. Oh, Béatrice, elle est géniale, cette femme. Vachement sympa et puis tout, hein. Oui, je te signale que c'est ma femme, quand même. Oh, mais ça n'empêche pas. Non, mais enfin, tu vois, c'est... Peut-être pas vraiment élégant d'insister là-dessus, ça pourrait me faire de la peine, non? Oh là là, tu sais, moi je dis les choses, ça tombe comme ça tombe. Puis bah, si t'es fragile, bah, faut mettre un casque. Merci. Tiens, regarde. Tu crois que ça lui plairait? Ça lui plairait à qui? Bah, à Guillaume. Oh, mais Guillaume, ce soir, il sera loin. Ah bon? Il m'a rien dit? Non, non, mais parce qu'il a été rappelé d'urgence à Paris, un problème sur un chantier, une grue qui s'est écroulée. Et moi, qu'est-ce que je fous? Toi, tu restes, quelle question? Non, c'était juste une brosse à dents. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous partiez ce soir? Bon, je pars ce soir. Ah bah oui. Ah bah oui, je pars ce soir. Cette fois, ça y est! Le chasse-neige bloqué, une canalisation pétée, le téléphérique en rayon! La génie, on court à la catastrophe! On y va tout droit! Oh là là, mais je ne vais jamais pouvoir partir ce soir, moi. Dites, ça fait 10 ans que je viens ici, que la neige, j'en ai vu. Il n'y a jamais eu de problème. Ah oui, non, mais dites-moi, non, mais qu'est-ce qui m'emmène à Cluses? On vous accompagne. On? Qui on? Agnès et moi. Agnès? Oui, Agnès, votre femme. C'est normal qu'elle vous accompagne. Ah, d'accord. Ah, ça y est. J'ai compris. On accompagne Guillaume au train et au retour, plof, bloqué. Coup de téléphone à Béatrice. Allô, ma chérie, impossible de remonter. Tu es retenue dans une auberge, dîner en tête-à-tête, et crac! Je me retrouve comme une conne, moi, avec mes cadeaux sous le bras. Ah bah ça, on ne peut jamais prévoir. C'est la meilleure joie, quand même. C'est pour moi. Picard. Toujours Picard. Allô, Picard? Où en sommes-nous? Comment, où en sommes-nous? Mais c'est à toi de me le dire. Tu m'as tellement fait tourner en bourrique que j'ai la tête comme un ballon de football. Mais comment ça, des problèmes sur un chantier? C'est toujours la même histoire. Impossible de tourner le dos 2 minutes. Mais... Et comment c'est arrivé? Mais de quoi tu parles? Ah, bravo, charmant, félicitations. Bon, ben, j'ai compris, je sais ce qu'il me reste à faire. Il a besoin de moi. Déjà. J'y vais. Un ennui? Oh, ma chérie, c'est la tuile. Il faut que je rentre d'urgence à Paris. J'ai un problème sur un chantier. Une grue s'est écroulée. Comment tu le sais? Voyager le soir du réveillon, c'est pas gai. Hein. Ah oui, il y a 2 ans, tu te souviens quand on était rentré. L'ordre de son Picard, il en est fou. Mais Agnès, elle n'a pas besoin de rentrer. Nous la gardons, n'est-ce pas? Ah oui, ça tombe sous le sens. Allez, Guillaume, ne soyez pas égoïste. Vous pouvez bien vous débrouiller sans elle 2 ou 3 jours. C'est décidé, tu restes. Ouais! On fera une petite partie. Bitocu. Bien, je te prie. Nous allons avoir une conversation très sérieuse. Tu avoueras qu'il ne l'a pas volé, tout de même. Bon, bah, si vous le permettez, je vais faire un petit roupillon. Je monte avec toi. Une sieste améliorée. J'aimerais bien que ça t'arrive aussi à toi, hein? Non, moi. Est-ce que je tiens? Moi, je trouve ça bête que vous partiez. On commence à bien s'entendre. C'est vrai, ça, c'est bête. Enfin, ça vaut peut-être mieux. Pourquoi? Ah, ben, pourquoi? Parce que, voilà, enfin, vous comprenez? Non. Vous comprenez pas? Mm-hmm.
Vous êtes jolie, très jolie. Vous êtes là, ici. Moi, je suis là avec vous, alors... On sait pas... On sait pas, quoi. Vous voulez dire que nous deux... Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ben, ce serait pas un drame si ça nous faisait vraiment plaisir. Ouais. Tenez, j'ai... Bon. Permettez. Non, 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 pas dans ce sens-là. Oh, mais si, si, attendez, c'est formidable. Là, voilà la solution. On monte les colonnes en extension. Et là, plus de problème. Oui. Où tu étais? Là. Enfin, ici, dans le coin, là, pas mal. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est le parfum d'Agnès. Elle était ici ce matin. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille. Vraiment bien foutue. Moi, si j'étais un mec, j'en pourrais plus. Oui? Mm. Elle est si jolie que ça? Oh, elle est ravissante. Ah bon? Un corps. Ah oui? Mais jolie, jolie dans quel sens? Oh. Hein? Dis donc, tu me rapportes un verre d'eau? Un verre d'eau, s'il te plaît. Mais tortille, le fil de fer! Si tu vois que c'est facile de tortiller, je dois t'y voir. Attendez, je vais vous aider. Laissez-moi faire. Voilà. Oui, oui, mais alors vite, hein. Merci. Et n'oubliez pas. On doit discuter du projet. Hein. Mais il n'y a pas à discuter, c'est d'accord. Quoi? Ah, voilà. Tu l'as tué. Oh. T'es pété, la route est bloquée. C'est bordel. C'est la merde, il y a une avalanche qui a complètement écrabouillé un chalet. Fermez cette porte, on gèle ici. Mais alors, je vais jamais pouvoir partir. Je vous porterai sur mon dos jusqu'à Cluse s'il le faut, mais j'aime autant vous dire que vous serez dans le train cette nuit. Bon, 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 bon. Alors, je ne m'inquiète pas. Dis, tu veux pas m'aider à pisser aussi? Faites pas attention, c'est le meilleur moyen. Ça dégra le premier. Bon, dites, faut y aller. Agnès, vous accompagnez votre mari à la gare? C'est non. Oui. Ah ben, il y a les coupés. Et si on buvait une coupe de champagne pour fêter la nouvelle année? Et l'association de Martin et de Guillaume. Alors ça y est, ça marche? Il est d'accord? Oh, je suis contente, je suis vraiment contente pour vous. Ah, donne-moi ça. Ben oui, je sais qu'il faut les faire le plus, ma chérie. Je sais qu'il faut les faire le guide. Tiens, une panne. Faites pas cette tête, vous y êtes pour rien. Les catastrophes naturelles, ça existe. C'est vous la catastrophe naturelle. Je savais que je faisais une connerie en m'embarquant avec un type comme vous. Et pour le projet, vous avez dit oui, hein. Vous êtes pas en train de changer d'avis. Sacré de Verdoux ! On sait plus où donner de la tête ! Il y a une ambiance du tonnerre! En bas, il y a du courant! On a un groupe électrogène à la mairie! Tout le monde est là-bas! Ça va être un réveillon sensationnel! Du feu de Dieu! Moi,
Allons vous changer, ce garçon. Il s'est épanoui. Il ne trouve pas. Petit tonto, on n'en sort pas. J'ai bien des gants, mais ils n'y connaissent rien. Est-ce que vous seriez d'accord pour passer une cassette à moi? Bien sûr, oui. Là, là, oui. Vous pourrez nous donner un coup de main, monsieur Morel? Oui, 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 pardon, oui, excusez-moi, pardon. Vous êtes de la partie, vous pouvez pas nous juger ça. Ah, alors, juste un coup d'œil, hein. Finalement, ils s'entendent bien, ces deux-là. Hein. J'aurais jamais cru au début. Mais tu vois, un couple, on peut jamais dire faut être dedans. Ça y est, c'est dans la poche. Elle m'a donné rendez-vous au chalet à 11h. Ça, Agnès. Agnès, ah oui, vous donnez rendez-vous entre mari et femme maintenant. Possible, on n'est pas assez nombreux. C'est toujours les mêmes qui travaillent. Alors, mais... Évidemment, à l'intérieur, ils s'amusent. Oui, bah, continuez, continuez. Je vais voir si je peux trouver du monde. Tiens, tu sais ce qu'il vient de me raconter? Ça y est, j'ai rendez-vous au chalet avec ma femme. Oh. Tout fier de lui, comme si c'était un exploit. Sa femme? Mais quelle femme? La sienne. Agnès? Non, mais tu m'as l'air... tout drôle, toi aussi, hein. Alors, à chaque fois que ça recommence, paf! Hey. On a besoin de vous, dehors. Moi? Ah, ben, allez-y. À vous. Messieurs, j'aimerais vous être agréable, mais j'ai rendez-vous... Ici, on n'aime pas les tirs au cul. Allez, au boulot. C'est bien fini. Vous avez l'heure. 11, monsieur Frau. Bon, à si on faisait comme s'il était minuit. À Rome, vieux frère. À mon frère. Pas de mai. Mais... Et que ça me tient la malade, l'être. Je dois être étonné de me voir là. Un peu déçu, même. Pas gêné. Gêné de quoi? Je fais ce que je veux. J'ai tout organisé, je me suis donné un mal de chien pour qu'on soit ensemble. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu parles d'une combine? Des embrouilles pas possibles? Toujours obligé de raconter des conneries? On a failli se repincer au moins 20 fois. Il est marrant, Guillaume. C'est un artiste. C'est un pur. C'est pas comme moi. Oh! Les yeux de chien battu maintenant. Oh, c'est vrai, quoi. Enfin, tout de même. J'ai l'air de quoi? Mais c'est qu'il y croirait. Qu'est-ce qui t'arrive, maloute? Agnès et Martin, là. Quoi? Je les ai vus. Martin? Avec Agnès? Salaud. Quel salaud! Piquer la femme de Guillaume. Est-ce que tu les avais vus? Pauvre garçon. S'il apprend ça, il s'en remettra jamais. Et Béatrice? Mon Dieu, Béatrice. Essayons. Essayons au moins d'épargner Béatrice. Pardon, madame. Vous n'avez pas vu Agnès? Ah non, pas depuis un moment. Je l'ai vu avec son père tout à l'heure. Son père? Non, son mari. Ah non, son père. Enfin, votre mari.
C'est-à-dire que je vous ai vu ensemble, alors je me suis dit... Oh là là, ça a l'air compliqué, votre histoire. Je meurs d'envie de danser. Vous ne voulez pas m'inviter? Tout de suite. Je vous invite. Elle ne se doute de rien. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Attends un peu, mon bonhomme. Ce que tu fais est ignoble. Tu m'entends? Ignoble. Et de quoi tu parles? La femme de ce pauvre garçon. Quel pauvre garçon? Allons, ne fais pas l'innocent. Ah bah oui, mais... Et en plus, ça te fait marrer. Il n'a vraiment aucun scrupule, hein. Et Béatrice, est-ce que tu as pensé à Béatrice? Mais Béatrice, elle n'est peut-être pas obligée de le savoir, hein. Tiens, regarde-la. Regarde-la, Béatrice. Oh, pauvre garçon. De mourir de froid. Oh. Plein qu'on verra plus, garçon. Toujours allez. Pareil. Allez. Je crois lui qu'il a des blés, il a nagé. Venez. Là. Là. Allez, venez. Venez, rentre. Ça, j'en étais sûr. De toute façon, c'est un incapable. Il sait même pas tenir une pelle. Je suis son associé, Picard. Vous connaissez mon nom? Ben, c'est moi qui vous ai raccroché au nez ce matin. Enchanté. Oh, mon pauvre garçon. Vous arrivez en plein drame. Bah, dis donc, je t'attends toujours au chalet. Hein? Quelle heure il est? Autour de minuit. Oh là là, je crois que j'ai un peu forcé. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vais m'écouler. Elle a avoué. Elle a tout pris en pleine poire. C'est la Bérésina, c'est le sac du pavé d'hiver. Va falloir dégager l'entrée du village aussi. Où est Morel? Hein? Où est passé Morel? Le dessert. Je ne peux pas, c'est bloqué. Martin? Ben oui, dessert. Ben, dessert, pourquoi tu n'y arriveras pas sans ça? Ah, t'es là. Faudrait du courant. Tu y arriveras. Arrête maintenant. T'as fait cette bêtise comme ça. Comment?
Tu me prends vraiment pour une andouille? De quoi tu parles? Agnès et Guillaume. Mon pauvre chéri, c'était bien à peine de te donner tout ce mal. Qu'est-ce que t'as raconté ça? Personne, tout le monde, Jeff par exemple. Qui c'est ça, Jeff? Tu sais, celui qui croit qu'Agnès est ta fille. Ah, le belâtre. Quel besoin d'inventer des histoires pareilles. Est-ce que tu n'es pas assez libre? Est-ce que je suis tout le temps sur ton dos? Oh, il fait ses yeux tiens battus. Ah bon, toi aussi? Quoi? Non, rien. Ça, c'est comme l'année dernière, cette fille qui est restée un mois à la maison pour te donner des cours d'informatique, comme elle s'appelait. Clara, Sandra... Patricia? Ah bon, tu savais aussi pour Patricia? Et puis l'Allemande, la fille au père. Ah non, l'Allemande, ça, non. Menteur! Ah, l'Allemande, enfin, une fois, deux fois, peut-être à la rigueur, mais sans ça, jamais. Martin, une fois, 10 fois, je m'en fiche. À partir du moment où tu me rends heureuse, ça m'est égal. Tu comprends ça? Oui, mais enfin, faut pas charrier. Dans l'ordre. Chacun a retrouvé sa chacune. Tiens, voilà. Ma voiture. C'est moi qui ai donné les clés à Agnès. J'ai bien fait, non? Hop. Hop. Bah oui, mais enfin, écoute. Je suis sûre que j'ai fait. Ah, non, écoute. C'est pas.